Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 2 des tenues classe sur GTA 5. Donc après les couleurs classe, je vous présente tout simplement une nouvelle série dans laquelle je vous donnerai des séries. Donc on avait commencé le premier épisode avec une série, avec une tenue du SWAT. Là on va continuer dans un autre délire, dans un autre thème aussi. Donc on va tout simplement vous présenter, je vais vous présenter tout simplement des tenues de cowboy. Donc il y en a une ici, une autre juste là, non, vise ici, ici, et la mienne. Donc moi c'est la tenue du cowboy, le patron, et la tenue de celui-là et de celui-ci sont tout simplement des tenues de cow-boy, où c'est genre les petits-fils qui sont à la merci du patron. Donc c'est une façon de parler, c'est toujours comme ça dans les films de cow-boy. Je fais une petite dédicace à Ahmed, Nautique et Hugo de m'avoir aidé à réaliser ces tenues. Et on va tout simplement se rendre dans le magasin le plus proche afin de réaliser tout simplement ces tenues. Donc ça vient de me dire que le magasin est fermé, c'est super, on va aller faire un petit tour et on va revenir. En attendant, moi je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à poster un petit statut. On se fera un plaisir de l'accepter, moi et Venger, afin que vous puissiez réaliser les glitches d'argent ou même les glitches de RP. Donc j'espère que les autres m'ont bien compris qu'il fallait bouger parce que le magasin est actuellement fermé. On va bien voir. Est-ce qu'ils ont compris que le magasin était fermé ? J'ai compris qu'ils étaient dans une voiture. Oui, ils ont compris. Donc en attendant, je vais aussi vous inviter à rejoindre ma chaîne 100% course qui sera dans la description et en annotation. Si vous jamais vous cherchez des courses complètement épiques ou même what the fuck, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Vous retrouverez des courses en vélo, en BMX et en vélo. Oui, c'est la même chose. En BMX, en moto et même en voiture. Je pense qu'il y a vraiment moyen que vous puissiez kiffer toutes les courses qu'il y a actuellement sur la chaîne. Donc j'espère que le magasin est ouvert. Le magasin est ouvert. Donc pour réaliser les tenues, on va tout simplement se rendre dans la première catégorie, dans la catégorie chapeau. Et vous allez tout simplement aller dans la catégorie chapeau de cowboy. Et pour la première tenue, vous allez tout simplement acheter le chapeau de cowboy chocolat. Donc comme moi sur la vidéo. Une fois cela fait, vous allez vous rendre dans les hauts et acheter tout simplement un gilet. Donc un gilet marron. Donc le gilet marron qui se trouve juste ici. Et vous allez aller dans chemise pour gilet. Et vous allez acheter une chemise beige. Donc la chemise beige, où est-ce que se trouve? Elle se trouve ici. Donc déjà on voit que l'effet est déjà radical. On voit déjà que ça fait un peu cow-boy. Et dans les pantalons, vous allez tout simplement aller dans pantalon de costume. Et chercher le pantalon à maille vintage. Donc le pantalon à maille vintage se trouve juste ici. Et du coup vous avez à moitié, à trois quarts fait votre tenue de cowboy. Il manque plus que les chaussures. Donc vous allez vous rendre dans chaussures, chaussures chic, et acheter les chaussures Richelieu chocolat. Et après vous avez votre magnifique tenue tout simplement de cowboy. Donc votre première tenue, hein, c'est la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est la première. Et maintenant pour réaliser la deuxième, donc vous allez tout simplement vous rendre dans l'espace haut et acheter une chemise. Donc les chemises, la chemise, où est-ce qu'elle se situe, voilà, la chemise en jean bretelle. Et le pantalon c'est exactement la même, le chapeau c'est exactement le même. Et pour les chaussures c'est un peu c'est la même chose. Donc en fait il y a juste le haut qui change, mais le chapeau, les chaussures et le pantalon restent. Je vous conseille de mettre aussi des lunettes de soleil ou une montre en or, hein, ça peut toujours faire classe. Donc vous allez voir que avec ma tenue à moi, la tenue blanche, ça rend vraiment très très bien les lunettes. Donc on va tout simplement commencer avec la tenue du riche, donc la tenue du cowboy riche. Donc vous allez dans chapeau de cowboy et vous allez simplement prendre le chapeau blanc comme j'avais au début de cette vidéo. Vous allez vous rendre à la fois juste après dans les hauts et vous allez être dans veste de costume, donc pas veste de survêtement, veste de costume, et acheter la veste bleu clair. Donc là on voit déjà que ça fait un peu le mec riche, etc. Et vous allez aller dans pantalon, non, vous allez dans treillis, et vous allez tout simplement acheter le treillis beige comme moi sur la vidéo. Et après il vous reste plus qu'à acheter des chaussures blanches afin de
d'allier un peu tout cela. Donc les chaussures blanches qui se trouvent juste ici, donc creux des Richelieu blanches. Donc vous les achetez et après vous avez votre tenue de cow-boy. Après vous manque plus que les lunettes de soleil ou même la montre en or. Et après vous avez votre magnifique tenue de cow-boy. Donc voilà, j'espère vraiment que cette deuxième tenue vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent avoir à leur tour des tenues super classe sur GTA 5. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.